Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver d'énormes promotions. Le lien est dans la description de cette vidéo. Des jeux PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mais également PC. Et d'ailleurs, vous pouvez précommander le prochain jeu FIFA 22 en promotion avec 25% de remise à 44,99€. Alors n'hésitez pas à aller le précommander et faites-vous plaisir. Yeah! Bientôt, moi, ça fait une geek, on se retrouve aujourd'hui pour des invocations sur le jeu Dragon Ball Legends. Des invocations avec Legendary Finish garantie sur le nouveau portail qui est arrivé hier. Alors hier j'ai pas eu le temps de faire des invocations, on était sur Pokémon Unite et d'ailleurs on y retournera en fin de journée, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Franchement j'ai bien kiffé Pokémon, j'ai vraiment bien kiffé, mais on ne délaisse pas Dragon Ball Legends. Bon, alors déjà les amis, parce que je sais très bien qu'on va me poser la question, faut-il oui ou non aller invoquer sur le portail Legends Limited à 1000 cristaux. Cherchez pas à midi à 14h. La réponse est oui. Et si tu ne peux pas te permettre de mettre un petit peu d'argent dans le jeu, ne t'inquiète pas, il y a le Red Boss Co-op qui arrive ce week-end et qui va te rapporter 1000 cristaux. Donc garde-les exprès pour aller faire le portail Legends Limited. Tu peux le faire qu'une seule fois, mais c'est bien. Pourquoi c'est bien? Pour moi, c'est l'un des meilleurs portails du jeu. C'est le meilleur. Voilà, clairement, on le retrouvait au jour de l'an. Eh bien, c'est plutôt cool qu'à la fin de l'anniversaire, du coup, ils nous l'ont balancé. Tu as un LF garanti. Je sais pas si tu imagines quand même, avec que des sparkings, d'accord? Tu fais ton invocation, il n'y a que des sparkings et tu es sûr d'avoir au moins un LF, voire plus. Si on a de la chance, ça sera bien, pour seulement 1000 cristaux. Et ensuite, vous pouvez également avoir des tickets. Là, par contre, les tickets, les gars, faut passer à la caisse, faut mettre la CB. Moi, je l'ai fait, mais je ne le redirai jamais assez. Faites attention, on est sur un jeu gacha, d'accord? C'est que du virtuel. Moi, c'est mon travail, pas vous. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc voilà, moi, derrière, je peux me permettre de le faire. Si vous êtes aisé financièrement et que vous pouvez vous le permettre, eh bien, faites-le, voilà. Mais si jamais c'est chaud pour vous, etc., ne devenez pas dépendant d'un jeu vidéo. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. La prévention, c'est toujours très important. Bon, et bah, écoutez les amis, on va partir en invocation. Max de pouces bleus sur cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas également à commenter si vous avez déjà fait vos invocations depuis hier. Et puis à me dire combien de LF vous avez eu, quel LF également. C'est toujours intéressant de lire la communauté. Alors voilà, on peut regarder un petit peu au niveau des LF. Il y a du Gogetada, il y a du Broly, il y a du Migate, il y a du Majin Vegeta qui fait très mal. Il y a du VB, il y a du Freezer, il y a également le Piccolo, il y a le Vegetada, il y a le Goku SSJ3. Goku SSJ3, les gars, il est vraiment très bon. Même le Goku Namek, tout ça. Le Végéto LF qui pourrait obtenir son Zenkai prochainement, ou tout comme le Goten. Bon, je vais pas vous mentir, Goten, la vérité, je m'en fiche un petit peu, tu vois. Le Gohan, pourquoi pas avoir des doublons dessus, c'est toujours bon de prendre. Et ensuite, il y a également le Beerus. Et pour tout le reste, ce sont des Sparkings. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même pas mal de LF à obtenir dans le portail. Donc forcément, ils ont tous 0,5% de chance d'être obtenus. Mais si tu additionnes tout ça, t'as plutôt pas mal de chance d'obtenir au final plusieurs LF dans la même multi. Donc ça, c'est plutôt cool. Eh bien, écoutez, les amis, je pense que là, on va tout donner, les gars. Allez, let's go. 3, 2, 1. Yeah, c'est parti. Allez, let's go. Allez, allez, le jeu. Fais-moi plaisir, le jeu, s'il te plaît. 1000 cristaux, LF garantie, Sparking garantie. Heureusement, c'est LF garantie. TMA, je commence avec 3 capsules. Là, ça va, je sais que c'est du Sparking et je sais que c'est du LF. Ça serait pas garanti, frère. Ça partira un peu en cacahuète. Alors, peut-être que Whis va arriver. On pourrait même avoir Whis qui arrive. Hein. Ah bah, voilà. Animation Broly, bon bah voilà, c'est normal. C'est LF garantie, mais ça fait toujours plaisir de voir Broly arriver. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Ça fait plaisir. Sait-on jamais. Peut-être que je peux avoir plusieurs LF du coup. Vu que j'ai l'animation Broly. Peut-être que du coup, ça va me donner au moins 2 LF. Je sais pas. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. En tout cas, pour 1000 cristaux, je vous le redis, c'est très très rentable. Trunks, Dôme de Chaleur. Je prends. Ça, c'est pareil. C'est une carte qu'on ne joue plus assez, mais il est très intéressant le personnage. Vegeta, SSJ, on s'en fout. Ouais, Piccolo LF, je prends.
Je prends la Zenkai récemment ensemble avec le Time Rush. Plus on va monter en étoiles, mieux ce sera. Faudrait l'avoir au moins à 9 étoiles. J'avais 7 étoiles, donc je prends. C'est très bien. Le Soulard. C'est 15, le Soulard, tu vois. Hop, avec sa petite bouteille d'huile en whisky, là. Videl, là, par contre, ça s'est claqué au sol. Hein. Le Soulard, Videl, c'est pas ouf, hein. Thalès, ok, pourquoi pas. Allez, s'il te plaît, le jeu. C'est le Zenkai, pourquoi pas, pourquoi pas. Y a qui d'autre? C'est 17. Franchement, je suis pas très gâté, là. Slug, ok. J'aimerais bien également un Zenkai de Slug, parce que Slug, il était intéressant, quand même. Franchement, il était... Deuxième. Majin Budget Tada, c'est ça qu'on veut voir, voilà. Ça, c'est bien. En vrai de vrai, donc là, j'ai eu deux LF, quand même, dans ma multi. Je vous l'avais dit, animation Broly et tout. À mon avis, il allait avoir un deuxième LF. Donc là, on est plutôt bien. Majin Vegeta, vraiment très, très fort. Donc, ça fait plaisir. Voilà, clairement, ça fait plaisir. Est-ce que vous vous rendez compte, pour 1000 cristaux, il n'y a pas plus rentable. Vraiment. Sur le jeu, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est le meilleur portail du jeu. Il n'y a pas plus rentable, les frères. Vous avez que des sparklings. Et en plus, vous avez la possibilité d'avoir un spark. Enfin, vous êtes garanti d'avoir un LF au minimum, voire plus. 1000 cristaux, 2 LF, avec que des sparklings. C'est plus que rentable. Donc, le Raid Boss Coop sera là ce week-end. Prenez bien vos 1000 cristaux pour aller invoquer directement sur ce portail. Hein. Voilà, cherchez pas midi à 14h. Maintenant, on a encore 3 autres multi-invocations Legends Limited. Pourquoi pas avoir la même, hein. Moi, j'aimerais bien encore du Mingaté, j'ai 7 étoiles. Pourquoi pas en avoir également le VB. J'aimerais bien en avoir. Hein. On va voir. Allez, 3, 2, 1. Yeah. Et pourquoi pas avoir également 2, voire 3 Legends Limited dans la même multi. 4, c'est possible. C'est le mec toujours plus. SSJ Blue. Bon, là, avec Tao Pai Pai, bon, SSJ Blue, au final, on sait très bien qu'il va y avoir que des sparklings. Normalement, ça garantit 2 sparklings, mais là, on sait très bien qu'il y en aura tout le temps. Est-ce qu'on peut avoir Broly en animation? Broly? Non, il n'y a pas Broly. Il n'y a pas Broly, dommage. J'aurais bien voulu le back-to-back de Broly, parce que je pense que quand vous avez l'animation Broly, dites-le-moi dans les commentaires, je suis sûr que c'est 2 LF au minimum. Je pense. C'est 18 de type rouge. Elle était intéressante, hein. C'est vrai que ça fait un moment également que je ne l'ai pas rejoué. Chichi. Chichi, autant te dire, je l'ai déjà à la maison. Gogeta Tada, j'ai déjà 14 étoiles, j'ai un peu le seum. Broly, ok, c'est le Zenkai vert. Gogeta type vert, c'est pas foufou non plus. Allez, let's go. Ok, on prend. Freezer LF, on prend. Donc je crois que je vais en avoir un deuxième, parce que normalement c'est le dernier personnage de l'invocation. Bim, il arrive en LF. Donc là déjà, on a 2 LF au minimum. C'est pas mal ça. Super Jemba, ça serait bien qu'il ait son Zenkai lui aussi. Franchement, ça serait bien. C'est 18 de type bleu, ok. Piccolo-san, très bien. Deuxième. Bien sûr qu'on prend Gohan, les gars. Surtout avec la team en ce moment qu'on est en train de jouer. Avec Gohan, Gohan LF Revive, Mirai Gohan. Bien sûr qu'on prend. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Bon, hey, encore 2 LF dans la même multi. C'est plutôt pas mal. Et mon Gohan, en plus, du coup, qui va passer 10 étoiles. Si je dis pas de bêtises, normalement. On va voir, mais pour le coup, c'est vraiment très, très rentable. C'est franchement ce genre de... Ce genre d'invocation, les frères, c'est le top. Voilà, ouais, voilà, il passe 10 étoiles. Donc ça, c'est une très bonne chose. Avec également le Freezer. Freezer, ça me fait plaisir parce que j'avais pas beaucoup d'étoiles sur lui. Et voilà, vaut mieux qu'on arrive à monter un petit peu en étoiles petit à petit. Eh ben écoutez, les gars, la troisième multi-invocation LF garantie. 3, 2, 1, yeah! Et je vous le redis, hein, tout à l'heure, en fin de journée, on ira en live YouTube pour du Pokémon Unite encore. Les montagnes, ça sent le Broly. Les montagnes, ça sent le Broly, les frères. Ça sent l'animation Broly. Je sens, ça sent l'animation Broly. Dans les montagnes. Yeah! Broly! Ah non. Il n'y a pas de Broly, frère. Broly, il a dit non. C'est bon, je suis venu une fois, je reviens pas. Bon, ok. Est-ce qu'on peut avoir également plusieurs LF? Super Jemba. Ok. On va avoir plusieurs LF.
Bien sûr qu'on prend un Gogeta Tada, Sopa, c'est Ajin Blue, je l'avais déjà cette étoile, c'est pas mal, ça permet d'avoir des doublons dessus. Et du coup, encore une multi, Super Vegito, c'est pas mal. Encore une multi avec au minimum 2 LF, voire plus, sait-on jamais. J'aimerais bien encore en avoir. Le Goku type vert, ok. Freezer, Transfo Golden Freezer. Gogeta Tada, alors je l'ai déjà Zenkai, mais moi il est déjà 14 étoiles. Ok, let's go. Le Goku, ok. Allez. Super Trunksu. Dommage qu'il n'ait pas Zenkai, lui. Black Goku Zenkai, je crois qu'on peut le dire, le pire Zenkai du jeu. Dites-le moi, vous aussi, hein. Si pour vous, le Black Goku type jaune, c'est le pire Zenkai du jeu. Pour moi, oui, ça l'est. LF. Oui, boum. Vegito Tada, ça on prend. Ça, c'est bien, ça. On n'a jamais assez de doublons sur Vegito, tant qu'il n'est pas 14 étoiles. C'est pas mal ça. Et en plus, il passe 10 étoiles maintenant. C'est bien. C'est très bien ça. J'ai envie de vous dire, là, c'est très bien. Franchement, c'est incroyable. Ce genre de portail, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Clairement, t'as que des sparkling. T'as des LF garantis. C'est le top. Vraiment, c'est le top. Max de pouces bleus, les amis, sur cette vidéo. Hein. Allez, 3, 2, 1. Et que ça m'a yeah. C'est parti, allez. Pour l'instant, franchement, on a eu 2 LF à chaque multi. Pourquoi pas 3? S'il te plaît. L'espace, une capsule. Est-ce qu'on peut encore avoir l'animation Broly? Moi, j'aime bien l'animation Broly, moi. Moi, j'aime bien l'animation Broly, moi. Quand elle est là, l'animation Broly, je suis content. Glisseur. Broly. 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 Yare. Let's go. Non, il n'a pas... Il m'a pas écouté. Il m'a dit, toi, t'es pas Paragus. Full camp d'ici. Whis. Normal. Yare, yare. Mais bon, ça c'est bien quand c'est des multi où t'as pas des sparking garantie. Mais là, ça ne change rien. C'est sparking garantie sur tous les personnages. Plus un LF. Allez, let's go. J'aimerais bien avoir 2 LF, 3 LF, ça serait bien encore. Trunks Transfo, ok, pourquoi pas. Oh non, j'ai déjà 14 étoiles. Ça fait deux fois qu'on le chope. Cell type jaune, ok. Tapion. Oh, ok, je... Non, laisse tomber, Sofiane. Laisse tomber. Laisse tomber. Goku Super Kaioken, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hyper Mega Rild, de... c'est loin d'être pas mal. Le Goku contre Raditz, le Goku pieds nus, hein, moi, je l'appelle. Ok, pourquoi pas. Mister Satanda. Non, c'est... Ça, c'est nul, ça. Bon, là, je crois que je vais avoir qu'un seul LF. Hein. Vegeta, mais je l'ai déjà 14 étoiles en Super Saiyajin 4. Le LF. On prend encore. On n'en a jamais assez du Gohan LF. On n'en a jamais assez. Ok, très bien. Bah, écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, dites-le-moi, vous aussi, dans les commentaires, ce que vous avez eu. Même ne serait-ce que sur votre multi-invocation à 1000 cristaux, je vous le rappelle, au cas où, si vous n'aviez toujours pas les 1000 cristaux, vous allez pouvoir invoquer. Moi, je vous conseille fortement d'aller invoquer, car c'est le meilleur portail du jeu. Pour 1000 cristaux, vous allez pouvoir les récupérer sur le Red Boss Coop ce week-end. Et ensuite, vous pourrez aller invoquer. En tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir. Je vous rappelle également qu'on sera en live à 18h sur la chaîne YouTube pour aller jouer à Pokémon Unite. Et je pense qu'on ira chercher un nouveau Pokémon d'ailleurs. Parce que, ouais, j'ai farmé un petit peu. J'ai récupéré des médailles, des pièces or, etc. Et on pourra aller récupérer un Pokémon. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de me prendre Dracaufeu, les frères. Je sais très bien, on m'a parlé de, voilà, Amphinobi. On m'a parlé de Lucario, tout ça. J'ai envie de me prendre Dracaufeu. Donc voilà, les amis, on verra bien ce que ça donnera. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, pour aller sur le site Instant Gaming et fais-toi plaisir. D'ailleurs, il y a des jeux Naruto, Dragon Ball, etc. à pas cher. Faites-vous plaisir, les amis. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Non, 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 non. Yeah.